Oh, il a pas l'air content le monsieur. Salut, c'est Marcus, bienvenue en Level 1. Je passe à la télé, c'est peut-être moi qui suis en train de regarder le gars dans sa télé. Voilà, on est avec un jeu qui s'appelle Hybrid Heaven sur Nintendo 64. C'est Konami qui fait ça, c'est un petit jeu assez sympa, vous allez voir, c'est assez original. On dirait Bill Clinton, et pourtant c'est pas le président des États-Unis. Question d'un rapprochement entre l'URSS, enfin, l'ex-URSS et les États-Unis, une histoire d'armes biologiques et tout, tout un petit scénario assez sympa. Et voilà, un des héros un peu bizarre. Alors je me demande, regardez, attention, il est tout nu. Je sais pas ce jeu, j'ai l'impression qu'il est un peu gay. Je sais pas s'il y a des militants homo dans l'équipe de programmation, mais vous allez voir qu'il y a pas mal de trucs un peu louches. Le type est sous la douche maintenant. C'est la première fois qu'on voit ça dans un jeu vidéo, un petit cul de mec sous la douche. C'est quand même assez rare, voilà, donc ça méritait d'être salué. Donc je voulais que vous voyiez un petit peu la démo. La démo, elle raconte l'histoire du jeu. Il n'y a pas que du tout noir. Ah, ça recommence. Alors l'autre gars va lui parler, et regardez bien, c'est assez drôle, c'est semblant de pas voir qu'il est tout nu. Je trouve ça assez génial. Ou alors il est extrêmement vexé parce que peut-être que son camarade de classe est mieux loti que lui, on va dire, par la nature. Regardez la tête qu'il fait, il est vraiment tout rouge, il est complètement vexé. On sent que ça le travaille, quoi. En fait, c'est son boss, on sait pas trop, et il est venu chargé de mission, regardez. C'est quand même des plans étonnants, je trouve, pour un jeu vidéo. J'enlève la manette pour que les filles puissent en profiter. Regardez les filles, on a des gars tout nus dans les jeux vidéo maintenant. Donc voilà, on a décidé que l'an 2000, les filles viendraient jouer avec nous aux jeux vidéo, pas que à Game One, partout dans la vie, on va essayer de leur faire découvrir les jeux. Donc Hybrid Heaven, les filles, est une bonne est une bonne façon de commencer un jeu vidéo, puisque vous avez un gars tout nu au début. Après, il est habillé, c'est un petit peu dommage. Voilà, bon, il va partir en mission. Moi, je vais passer la démo, on va passer l'intro. On le revoit encore tout nu, allez, une dernière fois. Pour le plaisir, il y a sa copine qui est avec le téléphone, donc je disais n'importe quoi, en fait, il est pas homo, vous allez voir. C'est une espèce de Terminator, un truc un peu bizarre. Il va y avoir un truc qui va se passer dans une station de métro, avec des gens qui sont un peu bizarres, qui disparaissent, un peu comme les envahisseurs une fois qu'ils se sont fait tuer. Donc, c'est assez curieux, un scénario que non, je vous révèle pas trop de choses, mais vous serez amené à le découvrir. Voilà, donc il se passe plein de choses dans l'intro et on se retrouve là avec ce type. Juste pour en finir avec le truc homo, je vous fais voir comment il rampe. C'est pas, mais vraiment, je me demande. Bon, c'est pas le tout. On a des monstres à tuer, regardez, c'est des espèces de robots de surveillance. Alors heureusement, j'ai un flingue, donc il suffit de le sortir, de braquer les robots et de tirer dessus pour s'en débarrasser. Alors ça fait penser un peu à Tomb Raider, ça fait penser à des trucs dans ce goût-là, avec un petit côté un peu aventure quand même, avec des dialogues avec des personnages, des objets à utiliser. Et un système de combat vachement original qu'on va voir tout à l'heure. Là, c'est des armes à feu, c'est un peu différent, mais le combat au corps à corps est vraiment très très original. Et en plus, c'est en français, vous allez voir. Donc, comme il n'y a pas beaucoup de jeux sur Nintendo 64, on s'est dit, tiens, on va s'intéresser à Hybrid Heaven. Discutons avec ce monsieur. Bonjour. Alors, je m'appelle Monsieur Diaz. Donc, ça se trouve, en plus, il est marié à Cameron Diaz. Le salaud, je voudrais bien, moi. Donc, si vous voulez être Monsieur Cameron Diaz, il faut jouer à Hybrid Heaven. Donc, il y en a aussi pour les gars. Vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, lui m'explique comment fonctionne le service de sécurité, le système de sécurité, et il me donne une petite carte à puce qui me permet d'ouvrir certaines portes. Mais il y a des portes qui sont fermées, donc il faut absolument que je modifie le contenu de la carte en me connectant à un ordinateur pour me faire ouvrir d'autres endroits. Comme ça, vous voyez, c'est pas mal animé, il a une façon de descendre assez sympa. Là, on a un petit pack d'extensions qui améliore un peu les graphismes. Bon, sinon, c'est pas beaucoup plus, c'est un peu plus joli, pas beaucoup plus. Les graphismes, évidemment, sont un peu plus fins avec le pack d'extensions, mais pas beaucoup plus. Alors là, par exemple, vous voyez, il faut que je mette la clé pour pouvoir entrer dans cette porte. Mais normalement, ça va pas marcher parce que le code n'est pas valide. Donc, je vais aller un peu plus loin et on va essayer de modifier le code. Donc, c'est un jeu comme ça avec des astuces, du combat, un bon petit mélange, bien sympa. Alors là, il y a des espèces de trucs de surveillance. Alors j'ai plusieurs possibilités, soit je tire dessus, un peu risqué parce que ça peut exploser tout près de moi, soit j'essaye simplement d'éviter, soit en sautant par-dessus, soit en rampant, je peux... Ah, je vais y arriver, oui. Voilà. Oh là là, je me suis fait... J'ai été touché. Dame Ned. Vous voyez, j'aurais mieux fait de l'éviter, ça aurait été plus sympa. Là, il faut que j'évite les faisceaux lumineux, donc par exemple, je peux le faire ramper sur le côté, qui passe un peu sous les faisceaux lumineux, ça fait un peu comme Metal Gear Solid. Donc il y a un peu un mélange, Tomb Raider, Metal Gear, des trucs d'aventure, vraiment c'est assez bizarre. Ah, j'ai été touché à la cuisse. Continue, vite.
Bon, j'aurais pu vite fait de me relever et de me barrer, sinon ça va mal finir. Allez, hop, hop, hop. Continue, mon garçon. Alors là, je vais fouiller là-dedans. Ça se fait automatiquement, il suffit de s'approcher tout simplement d'une caisse. Ah, et je récupère des recharges de vie. Donc ça, ça pourrait être utile tout à l'heure. Et voilà le fameux ordinateur qui permet de changer les codes des clés de la porte. Là. Donc il faut que je rentre la clé dedans et normalement ça va se modifier tout seul. Et je pourrais revenir à la porte qu'on a passée tout à l'heure. Je vais y attendre, voilà, c'est comme à la poste, il faut attendre son tour. Clé à code non reconnue. Alors il va me le changer, change-le-moi s'il te plaît. Donc vous voyez, c'est sous-titré en français. Je crois qu'il ne parle pas, de toute façon, il me bafouille un peu bizarre. Voilà, donc normalement maintenant, j'ai une clé de porte que je n'avais pas tout à l'heure. Alors il y a plusieurs façons d'observer, on peut évidemment simplement déplacer le personnage et laisser la caméra gérer le truc, ça se passe plutôt bien dans l'ensemble. Voilà, vite, cours, Forest, cours. Soit on peut se placer dans la tête du personnage et regarder tout autour de soi, ou alors faire tourner la caméra autour du personnage. Il y a plein de modes de caméra, qu'on arrive toujours à trouver un truc un peu sympa et pratique qui vous permette d'être bien situé et que la caméra soit bien placée par rapport à l'action, parce que dans beaucoup de jeux c'est toujours un peu le problème. La caméra se place pas toujours bien. Ah voilà, maintenant que j'ai ma petite clé, clac, je vais pouvoir ici ouvrir cette petite porte. Là, je suis dans un mode aventure, mais il y a aussi un mode battle. On peut se battre contre des copains. Vous allez voir encore une fois que le système de jeu est vraiment très très original. C'est un système de combat au corps à corps, tour par tour, que j'avais jamais vu encore avant. Je pense que ça fait peut-être un peu penser à des trucs comme Final Fantasy VIII. Mais mieux, à mon avis. Mais bon, c'est parce que j'aime pas Final Fantasy VIII, donc faut que j'arrête de dire du mal de ce jeu qui est très bien et que je suis le seul à trouver pas bien, donc voilà, on va se calmer un petit peu, Marcus. Alors là, j'ai le choix entre cette porte ou alors l'escalier de l'autre côté. On va aller voir par là ce qui se passe. Non, j'en viens en fait. Je crois que j'en viens. Bon, je suis bête. Je vais remonter. Sésame, ouvre-toi. On va monter ici. On va aller voir un peu ce qui se passe à l'étage. Alors vous voyez en haut le petit rond bleu, c'est mes points de vie. J'ai un peu morflé, j'en ai perdu une partie. Mais non, oh, je suis revenu. Oh là là là, oh le boulet. C'est ça que j'aime bien dans Level 1, c'est me gourer. voilà, je suis reparti dans le mauvais sens. Comme ça on revient, on revoit un peu ce qu'il y avait avant. Je sais pas trop me gourer quand même. J'ai pas beaucoup joué, j'ai pas eu le temps de beaucoup regarder, mais le peu que j'ai vu, j'ai trouvé ça plutôt sympa. On pourra peut-être demander l'avis à d'autres gens que moi. voilà, ça y est, ouvre. Voilà. Je sais pas pourquoi. J'ai dû faire demi-tour à un moment dans ce couloir. Et c'est ça qui m'a foutu dedans. Vous voyez, il y a des petits robots un peu partout qui sont chargés de démolir. Ah, on va discuter avec ce technicien. Peut-être m'apprendre des choses. Voilà. Donc là, il m'explique comment fonctionnent les détecteurs. C'est l'espèce de petit robot volant qu'on a vu tout à l'heure qui m'a envoyé des décharges électriques. Et là, il y a une espèce de téléporteur. Alors, on va y aller. J'ai trouvé que le début, ça m'a fait penser un peu à Half-Life, avec des trucs qui se passent au fur et à mesure, le scénario qui évolue, on découvre les personnages et le scénario au fur et à mesure. ouais, c'est haut, hein, impressionnant. et vraiment, ça, c'est assez agréable, en fait. Un petit mélange, il n'y a pas que de la baston et du plateforme, il y a un petit scénario qui avance au fur et à mesure et qui a l'air plutôt sympathique. Donc ça donne envie, puis comme le mode de combat est original, bah, c'est pas mal, tout ça. Au moins, tout ça est original, donc c'est bien. Ça change. Est-ce que je peux aller en face? Oui. Vous avez vu qu'il y a un petit plan en bas qui me permet de me repérer, de voir à peu près où je suis. Ça aide parce que des fois c'est un peu compliqué. Preuve, je me suis perdu tout à l'heure. Ah, voilà encore des trucs pour récupérer de la vie. Ben, je verrai ça tout à l'heure. Si je me bats, je pourrais tout récupérer des trucs. Parce que pendant les combats, on peut utiliser des objets. Donc bah, il faut le faire de temps en temps. Bon, de quel côté on va partir? Alors là, vous voyez, il y a quand même pas mal de faisceaux. J'ai intérêt à les éviter. là, je fais un peu le bourrin, je fonce, mais normalement. Ah! Faut les éviter au maximum ou alors shooter les petits robots qui s'en occupent. Vite, on va rentrer dans cette pièce là. Ouais, je vais les shooter, c'est peut-être. Oh, mais arrête de ramper. Ah, il aime bien ramper, c'est son truc. Voilà, un de moins. Pareil avec l'autre, comme ça on sera tranquille. Allez, descends mon petit bonhomme. Oula, assez profond là. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ce serait pas des traces de sang par terre? Non, il y a des trucs. Non, non, ça va. C'est le décor du dessous, en fait. Alors, il grimpe assez facilement, ça c'est plutôt sympa. C'est vraiment très très maniable. On prend vite le coup. Et puis, il est pas trop. Il est assez tolérant sur les petites erreurs qu'on peut faire. On se rattrape souvent au bord du gouffre et tout. Bon, ça, je vais le shooter pour être tranquille.
Vous voyez que derrière ce gros cube, il y a une espèce de levier. Parce que là, je peux pas passer pour le moment. Il y a une espèce de champ de force. Donc, je vais faire demi-tour. Allez, saute. Saute, Willy. C'est court, Forest, saute, Willy. C'est toujours les mêmes blagues avec moi. Désolé. Hein. Ah, il retombe en plus. Oh, le pauvre gars. Au lieu de faire des blagues à un franc, là, je ferais mieux de me concentrer un petit peu. Ah non, il ne rampe pas. Si c'est de la gâchette, c'est pour ramper, en fait. Je suis toujours tenté de tirer avec la gâchette. Voilà, on va shooter l'interrupteur. Voilà, et vous allez voir que ça ouvre le petit mur qu'il y avait sur le côté. Voilà, il a disparu. Magie. Donc maintenant, je dois pouvoir récupérer des choses par ici. Voilà, je peux passer par cette porte. Et je vais peut-être avoir droit à mon premier combat d'ici pas longtemps. Alors vous voyez, les portes en vert, c'est celles que je peux ouvrir. Les portes en rouge, c'est celles qu'il me reste à ouvrir. Alors là, même topo, j'ai un petit interrupteur qui est caché derrière cette caisse. Je fais sauter tout simplement et ça ouvre la porte. Donc voilà, les petites astuces, des interrupteurs à faire sauter. Tout ça est très basique mais plutôt rigolo. Voilà, il va se passer quelque chose. Alors c'est une histoire d'armes chimiques qui a été libérée dans tout le complexe. Ça fait un peu flipper tout le monde. Et apparemment, ça a libéré des monstres. Un peu comme dans Half-Life d'ailleurs. Le Severus ressemble un petit peu. Alors par contre, faut voir la tronche des monstres. C'est assez génial. J'ai jamais vu des monstres aussi ridicules dans un jeu vidéo. Vraiment, c'est assez tragique. Il y en a, on dirait qu'il a une espèce de tutu. L'autre, on dirait qu'il est enroulé dans des rouleaux de papier de toilette. C'est assez étonnant. Il y en a un qui s'appelle Pollux. Enfin vraiment, si vous verrez dans le jeu, dans la notice, on voit la photo des monstres avec leur nom et un peu leur description. Et vraiment, c'est un régal. Donc par contre, bah, il faut aller les choper dans le jeu pour pouvoir se battre avec eux. Parce qu'en dehors du mode aventure, vous avez un mode battle, vous pouvez vous battre soit contre un copain, soit contre des monstres, mais vous choisissez pas les monstres que vous voulez, il faut d'abord les avoir croisés dans le jeu avant de pouvoir les affronter en dehors du jeu. Donc voilà, c'est un peu dommage, j'aurais vraiment voulu vous les faire voir, ils avaient des touches pas possibles. Alors là, vous voyez, j'ai touché le bouton qu'il fallait pas toucher apparemment. Ça va péter de tous les côtés. Alors sauvons-nous le plus vite possible avant que ça ne dégénère. Dépêche-toi mon garçon, je sens que ça explose sinon. Voilà, on va prendre la petite porte en face et on va avoir droit à notre premier combat. Je vous en parlais depuis tout à l'heure, les systèmes de combat sont assez géniaux. Voilà ce malheureux chimiste, ingénieur chimiste ou je sais pas quoi, à qui va arriver des misères dans pas longtemps. Quelqu'un vient d'ouvrir les cellules de stockage des armes biologiques. C'est pas moi. Vous pouvez rien prouver. Donc je sais pas si c'est vraiment moi, mais voilà, apparemment c'est la boulette. C'est la boulette du jour. Voilà, allez, regardez, quelque chose approche derrière ce pauvre gars. Et il a beau avoir une combinaison. Plaf, arg. Bon, il a été empêlé, ça se voit pas. Donc on pourra peut-être diffuser ça dans l'après-midi, pas trop gênant. Et puis moi, maintenant, je vais me latter avec ce monstre. Qui a une tête de... Je sais pas. Je m'ai mis un poulpe sur la tête. Ou... Voilà. Donc ça va être mon premier combat. Et vous allez voir, le système de combat est vraiment très très original. Puisque c'est à la fois en temps réel et au coup par coup. Donc voilà, là il y a les points de vie du monstre et là il y a les miens. Alors regardez, je bouge le personnage, je le déplace autour du monstre. Et quand je veux faire une attaque, je me rapproche et j'appuie sur un bouton. Clac. Et là j'ai le choix entre utiliser un objet ou une attaque. Alors j'ai poussé à droite pour faire une attaque. J'ai le choix entre un coup de pied ou un coup de poing. On va faire coup de poing. Et puis j'ai le choix entre tous ces coups de poing. On va dire milieu. Alors faut vous étudier un peu la situation. On va faire un crochet du droit. Voilà, ça a pas mal porté, c'est plutôt sympa. Donc allez, on va lui remettre un coup. En plus on est dans son dos, donc on en profite. On va y mettre un coup de pied dans le dos. Voilà, en bas. Alors faut pas être trop loin, sinon ça porte pas. Alors là, warning, c'est que c'est lui qui va m'attaquer. Donc vous voyez, j'ai tout le temps de réfléchir. J'ai le choix entre faire un pas sur le côté ou alors me mettre en garde. Je vais essayer de me mettre en garde pour un peu amortir le coup que je vais recevoir. Voilà, vous voyez, j'ai perdu que 3 points de vie, donc c'est pas mal. Allez, on refait une attaque, on va y mettre un coup de pied. Un middle kick cette fois. Donc vous voyez, c'est assez original, je trouve, cette façon de combattre. J'avais jamais vu ça avant, moi. Et en fait, le monstre, quand il vous file des coups de poing, tous les coups de poing que vous morflez ou coups de pied, vous les apprenez en fait. Vous apprenez ces techniques de combat, ces tactiques de combat. Résultat, plus vous combattez avec des monstres, plus vous savez faire de choses. Là, vous voyez, c'est assez limité au début. Mais après, on peut faire des combos, on peut combiner des mouvements, les enchaîner. Enfin, vraiment, c'est très très réussi. Là, je vais faire step. Vous allez voir que je peux choisir de faire un pas en arrière ou sur le côté. Donc, je regarde un peu la position du personnage. Je pense que le mieux, c'est de fuir par là. Vous voyez, hop, j'ai réussi à éviter le coup, pas mal. Pas mal, je suis fier de moi. Allez, encore un punch. Upper punch. Donc c'est marrant parce que stratégiquement, il faut quand même accepter de se prendre quelques petits coups pendant le combat, histoire d'apprendre des coups que les monstres vous apprennent en fait en vous frappant. Donc bah oui, c'est dur d'apprendre des fois. Allez, on va faire encore un petit pas sur le côté. On va dire par là. Bah là, j'ai pas vraiment bien esquivé. Vous voyez, j'aurais dû être un peu plus attentif.
coup de pied, j'aime bien les coups de pied, moi. Paf, 24 points de vie, mon gars, prends-toi ça. Alors, je peux reculer un peu pour prendre du champ et récupérer des forces. Ma petite barre de force en haut, là, power, me permet de décocher des coups plus ou moins balèzes. Là, pour le moment, je fuis comme un lâche, mais vous voyez, ma barre de puissance est revenue dans le vert. Donc, je vais encore reculer un peu pour pouvoir lui asséner un super coup. Voilà, là, c'est bon. Vous avez entendu le petit bruit. On peut même les choper carrément. Ça, c'est pas mal. Et utiliser, voilà, différentes techniques. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Un jeté de bras, voilà, on va faire ça, ça va être sympa. Donc, je trouve que c'est assez marrant, il devrait faire ça pour les jeux de boxe, en fait. Et voilà, et je peux le finir. Donc voilà, je l'ai fini avec ça. Rang SS, je sais pas ce que ça veut dire, ça veut pas dire ce qu'on veut dire SS, c'est pas ça le truc. Voilà, tout ça c'est tous les trucs que j'ai appris. Tous les coups qui ont porté, c'est-à-dire que le monstre m'a collé, bah maintenant je sais les faire. Donc au prochain combat, je pourrai les utiliser. Pas mal, sympa. Donc SS, je vous disais, c'est pas un sale truc de nazi, je sais pas ce que ça veut dire comme initial, mais ça veut dire que j'ai bien combattu en fait. Voilà. Bah voilà, on peut aller vaincre d'autres monstres un petit peu plus facilement maintenant. Là c'est rouge, je peux pas encore y aller. Et bah on va retourner par là un petit peu. Et on va voir si on peut pas ouvrir d'autres portes. Oula, je crois que j'aurais plus vite fait de shooter les trucs de surveillance plutôt que d'essayer courageusement de m'enfuir. Et courageusement, évidemment, c'est l'inverse. Bon, on peut passer au travers. Si on court vite, ça passe, hein, en général. Voilà. Alors là, j'arrive dans un autre endroit. Alors, il y a toujours des trucs mystérieux. C'est ça que j'aime bien dans ce jeu. C'est qu'on découvre des choses. On comprend pas trop ce qui se passe, mais bah, il y a une petite... petit côté exploration scénario qui est sympa. Alors voilà, bon, oui, juste c'est moi qui ai ouvert, je suis désolé. Accident, vous faites, c'est un accident. Et voilà, et on trafique des gènes et des monstres et du maïs mutant, et après on est obligé de se battre contre le maïs mutant. Donc voilà, donc je vais essayer d'être très prudent. Regardez, il y a des espèces de cages, on sait pas trop ce que c'est, et il y a des monstres carrément dans les cages. Voilà. Ah, ils vous font peur. Là je l'ai pas, mais normalement avec le kit vibration, on ressent les vibrations quand un monstre attaque, quand il vous fout par terre ou ce genre de truc. Alors là, lui, il va me dire que la porte est bloquée et que je suis obligé de ramper en dessous. Il appelle ça une partition, lui, une porte. Je sais pas comment vous appelez ça, vous, chez vous. Ferme la partition, ça fait des courants d'air. Ils ont leur vocabulaire spécial, donc ça aussi, c'est agréable de le découvrir. Voilà, bon, allez, je vais continuer à explorer un petit peu, mais nous, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. J'essaie d'être très prudent. Vous voyez, il y a des mines par terre, donc à chaque fois, des nouveaux dangers aussi. Donc ça aussi, c'est sympa de découvrir un peu les différents dangers qui vous guettent, les monstres qui peuvent vous tomber dessus. Donc plutôt sympa, Hybrid Even. Je vais me mettre à l'abri ici. Voilà, ce serait un peu plus tranquille pour vous dire au revoir. Voilà, bon, c'était Hybrid Even sur Nintendo 64. Un bon petit jeu bien sympa finalement, je trouve, avec plein de petits détails originaux. C'est très jouable et marrant, plutôt bien fait, plutôt beau. Donc voilà, pourquoi se priver? C'est peut-être un peu cher, mais bon, si ce genre de jeu vous plaît, je pense que ça peut valoir le coup. Voilà, allez, c'était Marcus pour Level 1. Soyez sages, je vais parler à ce technicien. Tiens, on va faire ça. À bientôt, ciao.